sœurs et j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine j'avais envie de vous raconter comment s'était passée pour moi la soirée Harry Potter qui a eu lieu le jeudi 13 octobre, donc il y a eu plusieurs événements un petit peu partout en France et donc moi je suis allée à un événement organisé par Cultura et j'avais vraiment envie de vous partager tout ça. J'avais vraiment envie de partager avec vous comment ma soirée s'était passée, de vous montrer les vidéos, les photos que j'avais pu prendre et vous faire vivre un petit peu ce que moi j'ai vécu pendant cette soirée là. La soirée débutait à 20h et je m'y suis rendue avec ma meilleure amie Juliette. D'ailleurs je lui fais de gros bisous si elle passe par là. Et j'ai rejoint plusieurs copains de fac qui étaient déjà sur les lieux. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y avait énormément de monde. Sur l'événement sur Facebook il devait avoir environ 150 personnes inscrites. Mais sur les lieux il devait avoir dans les 300 personnes, ce qui est vraiment énorme. Mais comme le magasin est très grand, honnêtement ça se voyait pas trop et on se bousculait pas du tout dans le magasin. Il y avait plein de gens qui étaient déguisés, je trouvais ça super bien. Il y en a vraiment qui se sont donné du mal pour ressembler parfaitement à des élèves de Poudlard. Pour ma part, j'ai fait les choses très simples parce que j'ai seulement mis le t-shirt que je porte encore aujourd'hui, que j'ai acheté il y a 2 semaines environ à Londres, Harry Potter. Donc c'est celui-ci, regardez, je vous montre. Voilà. Puis le personnel de Cultura a rassemblé tous les fans autour d'une estrade et à partir de là il y a eu la répartition dans les différentes maisons et le choix du chapeau, donc c'est à dire qu'il y avait 2 personnes qui mettaient des chapeaux sur les têtes des gens et ensuite pendant ce temps ils piochaient un papier au hasard et ils tombaient sur une maison de Poudlard. Pour ma part je suis tombée sur Poussouf. Pour être honnête, peu importe dans la maison dans laquelle je serais tombée, ça me serait très bien allé parce que j'étais super contente de participer à l'événement, même si j'avoue que j'aurais préféré tomber sur Gryffondor étant donné que Pottermore m'a mis dans cette maison ou dans Serre d'Aigle parce que je pense que mon comportement correspond plus à ceux de Serre d'Aigle, mais bon peu importe, j'étais à Poussouffle et ça m'allait très bien. Donc ensuite j'ai récupéré mon petit papier Poussouffle et à partir de là on m'a donné un petit bracelet que j'ai gardé pendant toute la soirée qui m'a permis de justifier que j'étais bien une Poussouffle et de rapporter des points à ma maison. Et à partir de là, dès qu'on avait le bracelet, de 20h30 à 22h50, on pouvait participer à tous les ateliers qui étaient organisés. Et il y en avait vraiment pas mal. Il y en avait plusieurs, vous avez par exemple le questionnaire de Poudlard où vous aviez seulement 15 minutes pour répondre à plusieurs questions qui étaient tirées des livres. Ensuite, vous aviez le cours de potions où vous deviez récupérer plusieurs petites images à l'étage qui étaient cachées pour ensuite concocter une potion. Vous aviez aussi la conception d'un vif d'or, donc là c'était un atelier beaucoup plus créatif et qui touchait un peu plus les enfants, mais bon tout le monde pouvait y participer. Vous aviez aussi des jeux de société, donc des jeux de société Harry Potter, et là on jouait en équipe contre différents élèves de Poudlard. Il y avait aussi le jeu de duel, donc là c'était un peu comme un duel de baguette où on piochait des sorts et c'était à celui qui disait son sort le premier, à celui qui avait le sort le plus puissant, qui remportait des points pour sa maison. Il y avait aussi un cours de divination et là je crois que c'était un petit peu un jeu de message secret, vous savez, avec quand on écrit avec du citron sur une feuille. Et il y avait aussi du Quidditch, donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Et en plus de ça, vous aviez un quiz et à l'étage, il y avait plusieurs défis. Par exemple, trouver un sphinx qui allait ensuite dire des énigmes qu'il fallait résoudre pour emporter des points ou encore chercher le vif d'or. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des activités très variées et il y en avait vraiment pour tous les goûts. Donc on pouvait pas du tout s'ennuyer. C'est vrai qu'il y avait pas mal de monde pour chaque activité, mais avec ma meilleure amie, on a eu le temps d'en faire 2. Donc on a fait le questionnaire de Poudlard et donc pour être honnête on s'en est vachement bien sorti parce qu'on a rapporté 19 points sur 20 à notre maison et ensuite on a participé au jeu de société. Donc on était contre un Gryffondor, on avait un autre Poussouffle avec nous et la dernière personne je ne sais plus dans quelle maison elle était. Et on a aussi rapporté des points à notre maison puisqu'on a remporté la partie. Et l'autre chose qu'on a fait, on a passé beaucoup de temps à l'étage à essayer de chercher le vif d'or ou le sphinx. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, à 22h50, tous les stands ont fermé. Et donc à partir de là, on s'est tous redirigés vers un autre endroit où avait lieu un quiz géant où les gagnants
pouvez gagner des super lots, par exemple le nouveau livre gratuit, des baguettes magiques et des figurines Funko Pop. C'est un quiz qui se faisait sur les téléphones et il y avait environ, je crois, une dizaine de questions. Assez compliqué pour certaines et on avait moins de 10 secondes pour y répondre. Par exemple, il y avait des questions du genre quelle est la chanteuse préférée de Molly Weasley ou encore comment s'appelle la mère de Severus Rogue. Juste avant le grand quiz, la maison gagnante a été annoncée et là, je suis au regret de vous dire que c'est Serpentard qui a gagné. Non, ils ont vraiment tout déchiré. Je vous mettrai une vidéo, mais vous allez voir, les scores sont imbattables. Donc, Gryffondor a été second et la maison Poufsouffle a fini troisième. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que pendant toute la soirée, il y avait un artiste qui dessinait plein de peintures sur le thème d'Harry Potter. Et après le grand quiz, il y a eu une remise d'une de ses peintures à la personne qui était la mieux déguisée. Et donc, elle a été donnée à un monsieur qui était déguisé en Severus Rogue. Après ce grand quiz, il y a eu un petit buffet. Et ensuite, on nous a tous demandé de se ranger à la queue leu-leu parce que la palette de livres allait arriver. Et donc là, c'était vraiment super. On a vu la palette arriver. Il y avait un énorme drap qui cachait tous les livres. Et ensuite, il y a eu un décompte. Et là, vous pouvez pas vous imaginer l'ambiance qu'il y avait. C'est un petit peu surréaliste. Il y avait tout le monde qui faisait le décompte et c'était vraiment magique. Et ben, suite au décompte, on a enlevé le drap et là on a vu toute cette énorme pile de livres. J'ai pu me procurer le livre, j'étais super contente. Et voilà, cette soirée s'est terminée ainsi, j'ai acheté le livre et je suis repartie chez moi tout enthousiaste. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé une super soirée. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi bien. Donc je remercie vraiment Cultura et le personnel de Cultura d'avoir organisé tout ça parce que c'était vraiment génial de A à Z, on s'est vraiment pas ennuyé, on n'a pas vu le temps passer et minuit c'est arrivé très très vite, il y avait vraiment plein d'activités, plein de choses à gagner et c'était vraiment génial. En plus de ça, il y avait une ambiance assez indescriptible, c'était vraiment magique de voir tous ces fans d'Harry Potter rassemblés et il y avait vraiment de tous les âges, des enfants comme des adultes, enfin c'était vraiment une ambiance très particulière et magique, j'ai pas d'autre mot en fait pour expliquer ça. En tout cas, je suis hyper impatiente de lire Harry Potter et l'enfant maudit. Depuis le temps que je voulais le lire, depuis le temps que je l'attends, enfin je vais pouvoir le découvrir. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que pour les personnes qui malheureusement n'ont pas pu aller à ce genre d'événement, ça vous a un petit peu donné une idée de comment ça s'était passé. Et bien entendu, si vous aussi vous avez participé à un événement comme ça, racontez-moi tout ça en commentaire, je serai hyper contente de le savoir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye!